Que vous soyez maquillé ou non, il est important d'utiliser une lotion ou un appareil de nettoyage adapté pour rendre votre peau saine et propre. Notre lait nettoyant contient 50% d'aloe vera, dont des extraits de jasmin bio. Il nettoie votre peau en profondeur, il tonifie et respecte l'équilibre hydrique de votre peau. En d'autres termes, il ne dessèche pas votre peau et permet une hydratation intensive. Commençons avec le vaporisateur. Humidifiez votre visage, puis imbibez votre éponge naturelle d'eau claire. Et versez-y un peu de lait nettoyant sur l'éponge et lavez votre visage en évitant le contour des yeux. Vous avez une serviette éponge pour essuyer votre visage au besoin. Nous l'utiliserons matin et soir. Si certains d'entre vous pensent que le matin il n'est pas nécessaire de se nettoyer le visage, c'est une grave erreur. Même le matin, il est important de se nettoyer le visage. Car durant la nuit, bien que nous nous reposons, notre peau, elle, continue à travailler. Elle se régénère, elle respire, elle sue et produit du sébum. Le fait de se nettoyer convenablement le visage va permettre de ralentir les effets néfastes du temps sur votre peau. Cela va ralentir les arrivées des ridules et permettre une meilleure tenue de votre maquillage. Pour info, l'hydratation permet d'augmenter la teneur en eau de la peau et de la maintenir douce et lisse. Les extraits de jasmin agissent comme des agents apaisants et aident à diminuer l'inconfort de la peau comme les tiraillements. Ce lait vous procurera une sensation de fraîcheur et de propreté. Maintenant, nous allons utiliser une lotion démaquillante pour vos yeux. Chez LR, nous avons deux gammes, racine et deluxe. Avec un coton et le démaquillant racine, démaquillez-vous les yeux, puis jetez vos cotons dans la poubelle de table face à vous. Même si vous ne vous maquillez pas les yeux, il est important de se nettoyer convenablement les yeux. En effet, la peau se trouvant au niveau de l'œil est extrêmement sensible et fragile. Le fait de nettoyer les yeux permettra d'éviter les infections bactériennes, mais cela retardera aussi les effets incontournables du temps. Je pense aux ridules et aux pas de doigts. Étant un homme, je ne me maquille pas, mais je ne sais que trop bien que d'avoir une infection à l'œil peut être très gênant dans la vie quotidienne, tant sur un point de vue esthétique que sur le confort visuel. Ayant été victime à plusieurs reprises par des infections bactériennes sans gravité, comme le chalazion, j'ai pris pour habitude de me nettoyer les yeux avec le démaquillant racine, qui est moins cher que le démaquillant deluxe, qui est lui plus adapté au maquillage professionnel deluxe. Et depuis, croyez-le ou non, mais je n'ai plus jamais d'infection aux yeux. En revanche, si vous êtes victime d'une infection à l'œil, l'application de l'Emergency Spray ne peut que vous être bénéfique. Et dans la plupart des cas, le spray suffira à guérir vos infections. Pour revenir au démaquillant pour les yeux, que ce soit le démaquillant racine ou deluxe, les deux sont très bien. Cela reste une question de choix, finalement. En temps normal, je vous conseille l'application de la lotion tonique après le rinçage d'une étape à l'eau claire. Ceci dans le but de libérer les dernières traces de produits restants sur votre peau, comme le maquillage ou encore le masque, et permettre également la neutralisation des tiraillements que peuvent procurer les eaux calcaires. Étant donné que nous allons effectuer un soin complet, nous utiliserons la lotion tonique qu'après le masque hydratant. Si vous avez terminé de vous démaquiller les yeux, nous allons donc passer à l'étape suivante, le gommage. Le gommage est une étape importante de votre soin. Il doit toujours être suivi soit d'un masque purifiant, soit d'un masque hydratant. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont complémentaires. Le gommage va permettre de nettoyer et d'ouvrir les pores. Quant au masque, lui, va nourrir, soigner votre peau et refermer les pores. Avec le vaporisateur, humidifiez votre visage et appliquez le gommage en réalisant des mouvements circulaires, sans appuyer trop fort. Le but n'est pas d'agresser votre peau et éviter le contour des yeux. Pour ce faire, prenez une noisette de crème sur le bout des doigts et massez votre menton, vos joues, les ailettes et l'arête du nez, sans oublier votre front et les tempes. Chez vous, vous pourrez également l'utiliser pour votre cou et votre décolleté. Le gommage bio avec ses extraits de bambou moulu contient 50% d'aloe vera. Il exfolie en douceur, ouvre les pores de la peau, il enlève les cellules mortes et affine votre grain de peau pour la rendre plus belle. De par ses fonctions, il améliorera la pénétration des principes actifs du masque purifiant ou hydratant. Il va stimuler et permettre le renouvellement cellulaire. Une fois cette étape effectuée, rincez-vous le visage à l'aide de l'éponge naturelle. Pour info, les microparticules de bambou légèrement abrasives nettoient en profondeur et ouvrent les pores, et l'aloe vera hydrate et apaise pour apporter la fraîcheur. Idéalement, nous l'utiliserons une fois par semaine. Bien. Le masque moussant. C'est un soin rafraîchissant et soignant pour une hydratation intense. Chez vous, en application, appliquez la mousse délicatement et généreusement sur votre peau en évitant le contour des yeux. Et laissez reposer 10 à 15 minutes. Ce soin est trop précieux pour le rincer. Alors, si tout n'a pas pénétré votre peau, massez votre visage de façon à faire pénétrer la mousse restante. Puis appliquez votre contour des yeux et ou votre crème de jour ou de nuit.
Le masque moussant bio avec ses extraits d'olive, d'huile de germe de riz, des minéraux de blé, de l'alantoïne, contient 50% d'aloe vera. Il convient pour tout type de peau, il est idéal comme base avant la pose de votre maquillage et vous donnera une peau fraîche, douce et saine. Vous pouvez l'utiliser pour votre visage, mais également pour votre cou et ou votre décolleté. Un petit conseil pour vous mesdames, lorsque ma femme Caroline est pressée d'aller au lit le soir, parce qu'elle doit se lever tôt bien sûr, elle met ce masque moussant et hop, au lit, avant que j'aille la rejoindre. Et quelques minutes plus tard, sans même devoir se relever, elle applique tout simplement sa crème de nuit. Alors, le masque hydratant, idéalement nous l'utiliserons deux fois par mois en alternance avec le masque moussant. C'est lui un masque crémeux et fortement hydratant, particulièrement recommandé pour les personnes ayant des peaux très sèches. A l'aide de vos doigts, appliquez-le généreusement sur l'ensemble du visage, en couche épaisse, toujours en évitant le contour des yeux. Vous allez ressentir une sensation de fraîcheur immédiatement. Dans certains cas, la peau peut devenir un peu rose suite à la microcirculation qui se remet en marche. Nous appelons ça l'effet crevette ou l'effet bonne mine. Il se peut aussi que la fraîcheur du masque vire en chaleur. Si cela devait arriver, alors nous écourterons un peu la pose du masque. Il faut savoir que nos produits sont des concentrés de principes actifs. Étant une société de vente directe, nous sommes en cycle court, du fabricant au consommateur. Évitons ainsi bien des intermédiaires. Nous pouvons ainsi proposer des produits de haute qualité au meilleur prix. Dans l'hypothèse où vous ressentez de la chaleur au lieu de la fraîcheur, c'est que votre peau est très très déshydratée, ou que les produits que vous utilisez en temps normal ne sont pas aussi puissants que les nôtres. Et on comprend alors assez facilement que nos produits sont bien plus efficaces. Donc dans le cas où l'effet crevette se fait ressentir, c'est que votre peau est véritablement en manque de soins. La microcirculation s'emballe et il va falloir lui laisser le temps de s'habituer en alternant nos masques. Le masque hydratant bio, enrichi en extrait naturel de propolis, contient 79% d'aloe vera, de la vitamine E et des extraits de plantes aux vertus apaisantes et cicatrisantes. Nous allons le laisser poser 10 à 15 minutes. Et pendant ce temps, je vous propose de découvrir notre présentation sur notre box aloe vera. Bonjour et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes installé confortablement avec un masque hydratant sur le visage. Le thème de cette présentation, c'est l'Aloe Vera Box, ce que l'on appelle plus couramment chez nous la pharmacie naturelle ou encore la boîte à bobos. Nous allons tout d'abord nous intéresser à cette plante, l'Aloe Vera. Nous pensons souvent à tort qu'elle fait partie de la famille des cactus. En fait, elle fait partie de la famille des liliacées, en d'autres termes, la famille des oignons. L'Aloe Vera est un cadeau du ciel. C'est un véritable multitalent qui a des bienfaits reconnus aussi bien en interne qu'en externe. Les effets positifs sur l'organisme ont été largement documentés par de nombreuses études et ouvrages scientifiques depuis plusieurs années. Pour en citer que quelques-uns, voici trois ouvrages. Mon premier choix, Aloe Vera, la plante du nouveau millénaire. Un ouvrage unique, une mine de renseignements sur les progrès réalisés dans la recherche et la technologie sur l'Aloe Vera au cours des 30 dernières années. Mon deuxième choix, Aloès, la plante qui guérit, de Mark Schweizer. C'est un petit livre peu coûteux, très intéressant, qui va des origines de l'aloe vera jusqu'à l'utilisation pour les soins de la peau, les soins capillaires et même les soins vétérinaires. Enfin, mon troisième choix, Aloe, impératrice des plantes médicinales du docteur Michael Poizer. Michael Poizer, spécialiste incontournable dans le domaine de l'aloe vera, nous explique les bienfaits du gel d'aloe vera pour nos vaisseaux capillaires. Il nous prouve que l'aloès est d'une importance capitale pour notre santé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les agents actifs de l'aloe vera sont extrêmement nombreux. Il y a plus de 200 nutriments contenus dans cette plante. Pour n'en citer que quelques-uns, on y retrouve des vitamines A, des vitamines B2, B3, B6, B12, des vitamines C, vitamine PP, la vitamine E, de l'acide folique, du niacine, du bêta-carotène, du calcium, du potassium, du magnésium, du sodium, du cuivre, du fer, du zinc, du manganèse, 19 acides aminés, 11 enzymes, 9 mono- et polysaccharides, et bien d'autres. Alors, les propriétés médicinales de l'aloe vera sont nombreuses. Pour en citer que quelques-unes, elle agit contre le vieillissement cellulaire. Elle est extrêmement efficace contre les brûlures et les coups de soleil. Elle aide à la régénération de la peau, soulage les piqûres d'insectes, donne une hydratation intense, soigne l'acné, l'eczéma, le psoriasis, les furoncles, et bien encore. Vous allez découvrir trois produits absolument indispensables, dont vous ne pourrez plus vous passer. Tous sont contenus dans notre box aloe vera. Une qualité Made in Germany pour notre gamme de soins aloe vera avec deux labels prestigieux.
tout d'abord l'IASC, International Aloe Science Council. Le label IASC garantit que l'aloès est cultivé selon le même cahier des charges que le bio, c'est-à-dire sans engrais et sans pesticides. Mais il garantit en plus que la plante a été récoltée à maturité, qu'elle a une teneur en principes actifs et en nutriments optimum, ce qui ne garantissent absolument pas les labels bio français. Enfin, le label de l'Institut Dermatest. L'Institut Dermatest réalise des tests de tolérance pour les principaux fabricants de produits cosmétiques du monde et contrôle l'efficacité des produits par des études cliniques. LR a dépensé près d'1 million d'euros dans un tout nouveau centre de développement et de recherche, ce qui leur permet entre autres d'effectuer plus de 55 000 tests chaque année. Le comité médical et scientifique de LR est à l'écoute du marché pour intégrer les meilleures technologies, entreprendre des études scientifiques sur les produits et conseiller la société LR dans le choix des matières premières. Une question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi les produits ne sont-ils pas estampillés par des labels bio reconnus en France? Ci-dessous à gauche, vous retrouverez la couverture du magazine « Et si on vivait autrement ?» sur la cosmétique bio, que nous trouverons donc dans la chaîne de magasins Nature et Découverte. Et à droite, un extrait de la page 43 de ce même document, avec les 5 meilleurs labels reconnus dans notre pays et les mentions pour pouvoir y être labellisés. Conclusion, le meilleur des labels en France indique qu'au moins 10% du total des ingrédients est constitué de végétaux, et que seuls 95% de ces végétaux doivent être de culture biologique. Rien que pour nos produits à l'aloe vera, le pourcentage minimal d'aloe vera naturel est de 30%. Nous sommes donc très bien placés pour parler de produits bio. En outre, LR dispose à ce jour de 3 labels internationaux, IASC, Dermatest et Fresenius. Étant implantée dans 28 pays, la société ne va pas faire vérifier ses produits par des laboratoires reconnus en France uniquement. C'est l'une des raisons pour laquelle la société LR a choisi de faire confiance à des laboratoires de renommée internationale. Entrons maintenant dans le cœur du sujet et découvrons ensemble le premier produit de la box aloe vera, le gel concentrate, qui contient à lui seul 90% de gel de plante d'aloe vera. C'est ce petit tube-là qui mine de rien un tube très puissant. Il est idéal en cas de brûlure, c'est un gel apaisant, il est recommandé pour les peaux à problème, il vous permettra d'avoir un grain de peau ultra frais. Il est idéal en application après les expositions au soleil pour hydrater la peau en cas de coup de soleil. Il est également recommandé pour les peaux sèches et donne une hydratation maximale. Il va purifier les peaux impures. Il est également recommandé pour les peaux irritées et permet d'avoir une peau beaucoup plus détendue. C'est un produit à usage universel pour diverses raisons et traitements. Notre deuxième produit qui est contenu dans notre box aloe vera est le spray d'urgence Emergency, qui contient 83% d'aloe vera et contient une sélection de 12 extraits de plantes de culture biologique ayant des vertus tonifiantes, purifiantes, lissantes, stimulantes, curatifs, nettoyants, raffermissants, protecteurs, rafraîchissants, apaisants, cicatrisants, anti-radicaux libres, antibactériens, antimicrobiens, anti-inflammatoires, régénérants, anti-irritation, antioxydants. Enfin, il améliore la circulation sanguine, accélère la guérison des plaies et il est anti-allergique. Le spray d'urgence Emergency vous permettra d'arrêter les saignements en cas de coupure légère. Étant un bon antiseptique, il désinfectera également vos plaies. En cas de rhinite ou de rhume, le spray vous permettra de stopper les nez qui coulent. Il vous soulagera en cas de névrodermite ou de psoriasis. Il aidera la guérison en cas de mycose vaginale, du pied ou de l'ongle. Il évite le feu après le rasage ou une épilation. Il est efficace en bain de bouche pour les maux de gorge et les petits problèmes buccaux. Il repousse efficacement les tiques et autres indésirables. Il soulage immédiatement les peaux irritées, les démangeaisons et les piqûres d'insectes. Il apaise le cuir chevelu et prévient les pellicules. Il éloigne et tue les poux, mais pas les lentes. Il apaise les brûlures légères. Il empêche le développement des boutons de fièvre, autrement dit l'herpès et les aphtes. Il apaise la douleur naissante d'une otite. Il permet de guérir bien des infections de la peau. Enfin, notre petit dernier, la crème blanche propolis et ses 79% d'aloe vera enrichis en extrait naturel de propolis. La crème blanche propolis complétera vos soins hydratants, peut également remplacer votre crème quotidienne si vous trouvez que celle-ci n'hydrate pas assez votre peau. Il soigne les peaux irritées, répare et protège les peaux desséchées et crevassées. Enfin, la crème blanche propolis aide à la restructuration des cicatrices, détend votre peau pour la rendre plus douce, belle et souple. Nos trousses de premier secours et nos armoires à pharmacie sont souvent pleines de médicaments en tout genre. La moitié de nos notices se porte souvent manquante et nos médicaments comportent des risques d'effets secondaires plus indésirables les uns que les autres.
Notre box Alevera remplace à elle seule plus de 30 médicaments non remboursés par la Sécurité sociale et ne comporte aucun effet secondaire. Nous allons à présent enlever le masque hydratant. Pour ce faire, nous utiliserons le gant de toilette et la serviette pour vous essuyer le visage. Super. Passons à la lotion tonique. La lotion visage contient 50% d'aloe vera, ainsi que des extraits de jasmin bio. Elle est une lotion tonique pour votre peau. Une lotion douce, sans alcool, qui va libérer la peau des résidus de maquillage restant après le nettoyage. Elle va également rafraîchir votre peau et neutraliser les sensations de tiraillement que l'eau claire peut procurer. Enfin, elle respecte l'équilibre hydrique de votre peau et elle est également adaptée pour les peaux les plus sensibles. Appliquez la lotion tonique à l'aide d'un coton, puis déposez le coton dans la poubelle face à vous. Pour info, l'hydratation permet d'augmenter la teneur en eau de la peau et de la maintenir douce et lisse. Les extraits de jasmin agissent comme des agents apaisants et aident à diminuer l'inconfort de la peau, comme les tiraillements. Cette lotion neutralise l'effet calcaire de l'eau claire et vous procurera une sensation de fraîcheur. Après l'application de chaque lotion tonique, il est nécessaire de s'essuyer le visage avec un linge propre. Ok, alors passons à la crème contour des yeux. Sa texture légère et souple lutte contre les ridules et atténue les cernes. Elle a un effet agréablement rafraîchissant. La crème contour des yeux avec des extraits de magnolia contient 50% d'aloe vera. Les yeux sont particulièrement sensibles. Alors pour éviter toute infection, il est nécessaire de se laver les mains avant d'appliquer le soin contour des yeux. Ce soin quotidien adapté aux yeux les plus sensibles estompe les cernes, les poches et les ridules. Il procure une hydratation intense, permet l'application du maquillage de suite et bénéficie d'un filtre UV. Inutile d'appliquer votre crème contour des yeux au ras du cil inférieur, puisque les soins ont tendance à remonter vers le haut du visage. Il est conseillé d'appliquer son soin sur la partie osseuse qui forme le contour de l'œil. Inutile non plus de mettre la moitié du pot en pensant que cela sera plus efficace. Une noisette de produit sur le bout des doigts, c'est largement suffisant. Pour ce faire, utilisez la petite spatule en plastique qui se trouve face à vous. Mettez-y un peu de produit sur vos index, droit et gauche, et travaillez de manière symétrique. Et mettez la spatule dans la poubelle de table face à vous. Mon conseil, placez vos doigts sur la partie osseuse inférieure des yeux et faites des petits tamponnements très légers en partant des coins internes vers les coins externes. Répétez la gestuelle sous les arcades sourcilières exactement de la même manière. Enfin, lissez la peau avec vos index au-dessus des sourcils de la base en étirant vers les tempes et terminez par un 8 dans le coin externe de l'œil. Puis lissez la peau avec vos index dans les coins inférieurs de l'œil en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Répétez la gestuelle 3 fois. L'objectif, stimuler la microcirculation, décongestionner le contour des yeux et éviter ainsi les poches et les autres cernes. Passons à la crème de jour. Notre crème de jour bio, avec ses extraits de kiwi, contient 50% d'aloe vera, mais également des extraits de mélisse, de l'extrait de l'orge, de la vitamine E, du panthénol, que l'on appelle aussi provitamine B5, de l'huile de son de riz,
de la lécithine de soja et de la vitamine C. Fine et légère, elle s'adapte à chaque type de peau et son doux parfum vous séduira. Elle protégera votre peau contre les agents extérieurs agressifs, comme la pollution, le vent, les rayons nocifs UVA, UVB, le stress, les émotions, etc. Elle hydratera votre peau intensément et vous donnera une peau plus douce et plus belle jour après jour. Enfin, elle possède un filtre UV pour protéger des rayons néfastes du soleil et sera une base idéale pour votre maquillage. Utilisez la spatule en plastique restante qui se trouve face à vous. Mettez-y un peu de produit sur vos index pour travailler de manière symétrique et mettez la spatule dans la poubelle de table face à vous. Nous allons partir de l'intérieur du front en glissant sur l'extérieur vers les tempes. Puis on descend sur l'arête du nez, les ailettes du nez, les joues et naturellement les tempes. Et redescendre vers les joues. Enfin, on finit la transition du visage au cou et on descend sur le cou vers votre décolleté. L'objectif, stimuler le système de drainage de la peau et aider les principes actifs de la crème de jour à faire son effet. Pour info, les vieilles peaux, les personnes ayant des peaux matures et exigeantes ou des peaux très très sèches peuvent trouver que la crème de jour aloe vera n'est pas suffisamment confortable. Dans ce cas, il est préférable de se tourner vers nos gammes de soins de peau spécifiques, comme par exemple Zygarde Nanogold ou encore Zygarde Diamonds. Riche et onctueuse, soutient la régénération nocturne des cellules de la peau pendant le sommeil. Ces extraits d'olive et d'huile d'olive bio revitalisent la peau et la nourrissent. Les 50% d'aloe vera préservera l'équilibre hydrique de votre peau. Le soin du visage se termine. Pour finir en beauté et ajouter un moment de bien-être, nous allons travailler ensemble sur un automassage du visage. Avec quelques gestes simples pour tonifier la peau, lui donner de l'éclat avant les beaux jours et aider notre peau à la régénération des cellules et ainsi permettre au principe actif de nos crèmes d'être encore plus efficace. Donc je vais vous montrer quelques gestes essentiels pour vous automasser le visage. Alors, on se masse le visage parce que déjà, d'une part, ça va détendre donc cette région du corps, mais en même temps, tout le corps. Ça permet aussi de mieux appliquer sa crème et de faire mieux pénétrer les principes actifs de son produit. C'est un vrai effet anti-rides en utilisant donc une bonne crème adaptée pour cela, avec aussi des bons gestes. On va travailler sur le cou, le décolleté, le menton, les pommettes, contour des yeux et bien sûr le front. Il peut y avoir des contre-indications sur des plaies, des blessures comme des brûlures par exemple ou sur des contre-indications de toute façon médicales. Pour l'automassage visage, on va utiliser sa crème de soin, une crème de soin adaptée à son type de peau. Vous mélangez, appliquez quelques touches au niveau du cou, du décolleté, menton, les pommettes, le front, contour des yeux. On commence par le cou avec des lissages. Une main chasse l'autre. Sous le menton.
menton avec les deux pouces. On va désengorger cette zone. Travailler notamment aussi au niveau du double menton. Et un cercle de l'intérieur vers l'extérieur. On peut élargir le mouvement. On peut travailler de façon plus fermement aussi pour éviter le menton. Voilà, avec les poings. Comment insister avec les phalanges sous le menton en direction des oreilles. Travailler toujours en rotation sur le menton avec la pulpe des doigts. On lisse. Vous voyez, on va insister au niveau des mâchoires. Travailler le muscle masséter. On travaille en cercle, on remonte. Et on va travailler le contour de l'élève également avec un doigt. Chaque doigt, deux doigts de la main se séparent, on lisse vers le haut la lèvre inférieure, la lèvre supérieure. Travailler au niveau des sinus, des arêtes du nez. Oui, et on va travailler nos yeux. Travailler des points de rainance sous l'iris, on presse avec les deux index. On travaille également en circulaire sur ces points. En cercle, en remontant le regard. Et comme un pincement, on travaille au niveau des sourcils, en partant de l'arcade sourcilière, entre le pouce et l'index. On fait un pincement pour défatiguer les yeux. Et encore des cercles, doucement, sans trop d'appui. Et on va travailler le front, première ligne, au-dessus des sourcils, en rotation avec les trois doigts de la main. On lisse, on détend le front en direction des tempes. On peut travailler une seconde ligne médiane en rotation sur le front pour lisser les rides d'expression notamment. Troisième ligne sur la racine des cheveux, toujours donc sur le front, des effleurages avec toute la paume de main sur le front, oui, on peut triturer quelques rides avec le majeur, notamment la ride du long. Effectuer ce même mouvement sur tout le front également. Oui, encore des effleurages. Oui, on dépose le moment. On sent la chaleur des mains. On peut faire quelques tapotements pour réveiller, activer la circulation du corps, surtout le visage, le contour des yeux, remodeler le bas du visage. Et on va terminer avec un panier où on réchauffe les deux paumes de main l'une contre l'autre et on dépose tout le visage, on ferme les yeux, lâche les paupières. Et on laisse glisser à nouveau les deux paumes de main. On lisse à nouveau le cou.
Il y a des bénéfices à différents niveaux puisque ça va réduire les cernes, les ridules, d'avoir un meilleur teint, un meilleur éclat au niveau donc, du tissu. Ça donne tout de suite bonne mine puisqu'on va activer la circulation et on va drainer également. Savez-vous que vous pourriez recevoir vos produits préférés gratuitement ? Pour ce faire, il suffit de choisir une date dans notre agenda ainsi que le thème de la journée. Et ne vous inquiétez pas, nous vous aiderons dans l'organisation de votre journée shopping, afin que cette journée ne soit pas une source de stress pour vous, mais bien un moment convivial où se mêlent rire et bonne humeur. Et voilà, nous avons terminé. J'espère que cela vous a plu. Je vais à présent vous remettre les bons de commande, ainsi qu'un catalogue beauté. Notez-y toutes les références que vous voulez acheter pour chouchouter votre peau et remettez-la à moi. Certains ou certaines d'entre vous aimeraient peut-être prendre des sets pour faire des économies, voire la gamme complète. Sachez que nous avons préparé différents bons de commande, dont un spécial journée shopping. Ce bon de commande est valable uniquement ce jour. Enfin, tous nos produits bénéficient d'une garantie satisfait ou remboursée de 60 jours, même sur les produits entamés. Donc si pour l'une ou l'autre raison, vous n'êtes pas entièrement convaincu de la qualité des produits LR, retournez-les-nous et nous vous rembourserons. C'est notre engagement. Sachez également que sur toute tranche de 60 euros d'achat, un numéro unique sera rattaché à votre fiche client et vous permettra de participer au tirage au sort de notre grande tombola annuelle. Je vais à présent vous prendre une par une pour finaliser vos commandes et vous permettre du conseil personnalisé. Afin de vous faire patienter, je vous invite à découvrir notre Starbucks, nos autres parfums, et je vous invite également à prendre un café gourmand ou un thé.